Ok. Oh merde. Normalement, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est très bon même. Le retour de Gontran. La dernière fois, on a chopé le chapeau de Merlin, le chômeur. Oh putain, toutes ces plantes, oh merci. Tiens, viens là, Mickey. Viens là. Viens là. Salut! Oui, Mickey. Tais-toi donc. Hmm. Tiens, parlons un peu, Mickey. Oui. On se rejoint vite. Je suis content de te voir. Mais moi aussi, Mickey. Tiens, prends un peu de fleurs, Mickey. Prends un peu de fleurs. Hop. Cette fois, faut peut-être qu'on avance dans la quête principale parce que c'est pas qu'on fout rien. Nous, on fout rien quand même. Et ouais. C'est un beau programme. J'ai compris, Mickey, ta gueule. Salut mon ami. Voilà, prends des fleurs. Tu me mets mal à l'aise, Mickey. Tu me mets tout le temps mal à l'aise. Putain, mais les fleurs, c'est ta drogue. T'es comme Merlin. Tiens, prends des belles fleurs, Mickey. C'est cadeau. Va-t'en, Mickey, tu À très pues. bientôt. Bah, bientôt, Mickey, bientôt. Je vais chercher des fleurs et tu vas me manger dans la main, mon petit. On prend un max de fleurs là, pour Mickey. Oh, mais toutes ces fleurs, oh là là, Mickey. Si tu deviens pas mon ami après ça, Mickey, je ne sais pas ce qu'il te faut. Dixou, c'est le prochain. Regarde pas, va-t'en. Hop! Mais quel bonheur, mais. Oh là là. Toutes ces plantes. Hop. Ah, c'est vrai, il y a des écureuils. Hein. Oh là là. Enlève ça fait ça là. Hop. Encore. Magnifique, Je suis content de te voir. Mais moi aussi je suis content de te voir, Mickey. Tiens. Petit cadeau, mon petit Mickey. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je crois que c'est mieux. Non, pas vraiment. Mais comme ça. Salut. Ouais, comme ça c'est mieux. Ouais, Mickey, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui d'ailleurs? Tu aimes les crackers, je crois. Oh, tu aimes les myrtilles? Oh, t'es chiant. J'ai pas de myrtilles, Mickey, merde. Putain. J'ai pas envie de pique-niquer avec toi. Tu me mets mal à l'aise. Hop. Eh bah. Ben, mais c'est pas ça que tu aimes. Waouh, super! Je suis content de te voir! Mais moi aussi, moi je suis content. Des compagnons rouges. Ah mais non, ce n'est pas ça. Je pensais, mais non. Oui. Mais je m'en doute, hein. Hop. Tac. Des petites encore.
Il faudrait qu'on avance aussi dans l'histoire principale parce que j'ai pu avoir de place quand même poche. Ça va être compliqué. Hop, tiens. C'est la dernière espèce de junkie. On se revoit vite. Ouais, oui, on se revoit vite, c'est ça. Dans tes rêves, ouais, ouais. Et elles reviennent en plus, celle-là. Oh, dis-moi ce que c'est ce que je pense. J'ai perdu mon inventaire. Ah, pas du tout. Hop, prenons ça. Oh, super. J'ai vu un coffre quelque part, mais je sais plus où. Hop. Bien, on va aller voir Dingo le clodo. Tiens le lapin. Eh, j'essaye d'être sympa avec toi mon petit gars, mais là, là. Tu pousses le bouchon un peu loin. Oh putain, pas lui. Oh non. Pas toi Dingo, tu pues. Oh mon dieu. Ah, je peux faire manger et tout. Waouh, 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 waouh. Alors, ah, une soupe de poisson, mais quel bonheur. Ne me parle pas Dingo. Oh. Est-ce que je reste pas la joie de vivre? Bon, pas vraiment, mais... Hop, je m'en fous de ta lettre. Yes. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Waouh, des lunettes rouges. Mais quelle chance. Ça ira parfaitement pour Gontran. Tiens Gontran. Oh là là Gontran. Mais tu es magnifique Gontran, tu es magnifique. Tu as une pote. Ah mais c'est Wally ça, ok. Ok j'ai les refs. Salut mon ami. Ça, Péripopette, c'est quelqu'un de nouveau. Dis, tu n'es pas un inconnu du genre effrayant, hein? Tu n'es qu'un ami que je n'ai pas encore rencontré, c'est ça? Pas du tout. Je suppose que je peux être un peu effrayant, exactement. Gueule! Tu ne m'as pas l'air effrayant en comparaison à la vallée, depuis que le ciel s'est assombri. Et que les épines nocturnes sont apparues. Cela ressemble plus à un cauchemar qu'à un rêve. Tu vois, j'étais seul pendant, eh bien, plus longtemps que je ne peux m'en souvenir. Mais tu es là maintenant. Oh merde. Nous allons être de bons amis. Oh non non non, je le sais. Et si ce n'est pas trop présomptueux, je veux dire... Aïe. Oh, je vais te montrer tant de choses. Il y a mon stand, mais ils ont d'abord de devoir le nettoyer. Et ils vont moi aussi aller à la pêche. Mais il faut que je trouve ma canne à pêche pour le bonheur. Mais je te l'ai donné. Doucement, Dingo. Je crois que j'ai déjà trouvé ta canne à pêche. Mais il y a un seul problème. On dirait qu'elle est cassée. Oh bah mince. Oh non, Gontran, qu'est-ce que t'as fait? Merci Gontran. Maintenant, voyons voir. Oh, déjà que bloque tout. Mais c'est réparé maintenant. Je vais te dire, maintenant que j'ai ma canne à pêche porte bonheur, je vais te donner celle-là, que j'ai trouvée après l'oubli, pour que nous allions pêcher ensemble. Jamais. Je crois qu'elle appelait l'ancien monarque. Et regarde ça, elle semble t'aimer. C'est parce que la magie est en moi. Ça doit être ça, la magie en toi, ou je ne m'y connais pas. Et voilà pour toi, elle est à toi. Waouh! Merci Dingo. Et un super chapeau. Yes! Il est dégueulasse ton chapeau. Oh yo, c'est pour ça qu'il est génial. Je vais te montrer comment utiliser ta nouvelle canne à pêche. Bon, ça ne doit pas être très compliqué mon petit Patrick. On a tous joué Animal Crossing, hein. Tu peux pas me faire croire que c'est dur, hein. Dis donc, Dingo. Je t'ai vu, hein. Ah, putain. Ah, je suis coincé avec lui, maintenant. Pêcher dans la vallée. Maintiens pour lancer ta ligne. Vise le rond dans l'eau pour attraper quelque chose à coup sûr. Appuie très vite sur... Clic gauche sur la souris chaque fois que le sac devient vert.
Ok, c'est déjà raté. Ah. Ok, je viens de comprendre. Ok. Et la pêche, pas si difficile. Pas si facile que ça. Hein. Casse-toi, dingo. Eh ben, j'ai raté. Yes. Yes, ma main. Ah, bah, ok, non. Non, mais je vais l'avoir. Je l'ai. Cette fois, je l'ai. Voilà. Tu ne m'auras pas. Waouh! Une truite arc-en-ciel! Salut! Ça alors, tu as un don, Gontran! C'était tranquille. Oui, il n'y a rien de plus chouette que de pêcher dans la prairie. Mais cela ne sert qu'à se détendre, tu sais. C'est aussi Oui. utile. Tu peux vendre ton poisson à mon stand. Enfin, dès que nous pourrons le rouvrir. À plus tard. Va mourir, dingo. Va mourir. Tu sens le babouin. Voilà, c'est dit. Hop. Bon, ça, Osef. Oh, y'a. Bah, allez. Et hop, le coffre. Ah, tout ça pour ça? Ok. Un peu déçu, hein. Un peu déçu. Bon, moi, j'ai des bananes. Et ça, je pense que c'est important. Oh non, dingo. Mais je vais avoir trop de framboises. J'en ai déjà plein des framboises. Arrête. Mais ça, il en manque un. Il manque rien du tout. Arrête tes conneries. Il n'y avait rien d'autre. Ce jeu se moque de moi. Ah, mais on n'est pas obligé de faire espace. On peut faire clic droit. What's up, Mickey? Comment va, ça va? Tu veux des plantes? Hey, Mickey, tu veux des plantes? Bonjour, Mickey. J'ai quelque chose pour toi, Mickey. Ah, tu veux des pâtes en cadeau? Ah, Mickey, tu es quelqu'un de vénal. Hein. Les myrtilles, c'est un peu trop pour moi, quand même. Les plantes, on peut discuter, mais est-ce que tu aimes le poisson? Ah, pas vraiment. Allez! Mais niveau 12, avec un tapis proche du dégueulasse, mais pourquoi pas? Tac. Hop. Les pierres de Saruman, là. Hop. Bon. On va aller revoir Merlin parce que j'ai toujours un chapeau à les récupérer. Et il me l'a pas donné. Déjà que c'est un charlatan, il me donne même pas ce que j'ai fait pour l'avoir quand même. Hein. J'ai passé du temps, mais du temps. Ah, Merlin. Ville flibustière. Ah, c'est parce que j'ai fait comme ça. Effectivement, le son est meilleur. Waouh! Mais quelle qualité! Oh là là. Tiens, hop. Encore, toujours plus. Mais Ah bah non, merde, oh putain. Oh, mais je n'ai plus de place. Ah, tu es morte. Et là, tu es en vie. Et maintenant, tu es à moi. La loi de la vie, petite plante. Hop.
hop, en avant le bon train. Mais c'est des belles plantes ça. Mais j'ai plus de place. Yes. Bon, Mickey, viens là. Tu dois ramasser. Ah, mais on peut aller voir Picsou. Tiens, Picsou. Salutations, voisin. Toutes mes salutations. Oh merde. Je te remercie. Oh. Bonjour. Bravo, bien joué, Gontran. Tu n'as pas seulement repoussé les ténèbres qui planaient sur le village, tu as également trouvé tous les outils laissés par notre monarque précédent. Avec leur enchantement, tu es bien équipé pour affronter ce qui t'attend. La pioche ne peut être maniée que par une personne digne, ce que tu es sûrement entre tes mains. Elle fendra les rochers d'un seul élan. C'est ce que je fais déjà, mon garçon. L'arrosoir n'a jamais besoin d'être rempli. Il va accélérer la croissance des cultures en maintenant en bonne santé tout ce qui fleurit ici. La canne à pêche n'a pas besoin d'appât. Elle ne s'accroche jamais. Grâce à elle, tu peux pêcher ce qui se trouve autant au fond des océans que dans les étranges peu profonds. Les étangs. Quand elle est pelle, eh bien, bah, c'est juste une pelle. Ouais. Mais d'excellente qualité. Tu en auras besoin pour jardiner et trouver des objets enfouis dans le sol à travers la vallée. Bah ouais, Merlin, t'inquiète. Et maintenant que tu as trouvé tous les outils royaux, le puits aveu sans tes nouveaux pouvoirs. Tu es prêt à accéder, à accepter les tâches du puits et à récupérer la Dreamlight nécessaire pour étirer les épines nocturnes de la porte du château. Ouais, c'est chaud de lire, hein, quand même. Hein. Commence par les bases. Regarde dans le puits pour voir ce dont la vallée a besoin. Même les tâches les plus simples apporteront un grand changement et chasseront l'oubli une fois accompli. Tant que cela est fait, dans un esprit d'amour, de bienveillance et d'amitié. Ah, c'est pas du tout moi ça. Puisque lorsque tu as rassemblé suffisamment de Dreamlight pour enlever ces certaines épines nocturnes du château, viens me trouver. Merveilleux. Hé, hey, Merlin. Oh, oh, bonjour. Merlin, excuse-moi, mais mon garçon, dis-moi, laquelle t'appelle, la magie lumineuse ou la magie ténébreuse? Bah, lumineuse, évidemment, hein. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Bah non, il est fou le Merlin. Eh, haute. Si je te donne un éclat nocturne, ça fait quoi? Ah ouais, ça change rien. Merlin. Je veux mon château, mon chapeau. Bien, tu peux y aller maintenant. Tiens Merlin, tu veux pas travailler un peu là? Bon Merlin, je te laisse. Oh, bonjour. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Bon Merlin, Merlin, je t'ai dit bien, mais bon, c'est pas tout, c'est la vie, hein. Il est vieux, tout ça. Mais du coup, il m'a entubé mon chapeau. Saloperie, quoi. Mon pauvre chapeau. Bon. On va aller voir Dingo. Il est où Mickey? Ah, Mickey. Oh putain, merci Mickey, merci. Merci à toi. Voilà. Hop, Mickey. Je suis content de te voir. Mais moi aussi, Mickey, hein. Je suis super content. Tiens. Ouais, Mickey. M'amène. Hop. Des jolies plantes pour toi. Oui. Yep. Salut. Tiens Mickey. Mais j'en ai encore plein Mickey, hein. Ce n'est que le commencement. Oh. Ah. Tu vas t'amuser comme un petit fou, va. Et encore une. Et devine quoi, Mickey? Ah non, ça c'est de la merde. Si seulement j'avais la recette des pâtes. Mince alors, merde! Au revoir, Mickey. On se revoit vite. On se revoit vite. Peut-être, peut-être. Euh,
Mais il me faut... Ah oh, bon, on va aller voir Dingo l'abruti. Tiens. Tiens, salut. Ce péripopette, c'est un peu délabré. Que ce que je croyais. Mais ça ira. L'entreprise de construction du Picsou devrait réparer tout ça. Tu peux utiliser le panneau pour l'appeler. Oh super, Tom Nook numéro 2. Allez Tom Nook, ramène-toi. Oh, j'adore les journées ensoleillées. Bonne journée à toi. Il est temps que Dingo retape cet endroit. Content que tu sois là pour l'aider. Maintenant au travail. Putain. Dingo peut avoir ce stand sans coût supplémentaire puisque la valeur l'a besoin. Mais la prochaine fois, ma générosité aura des limites. Qu'en dis-tu? Bah j'ai pas le choix. Le stand ouvre ses portes. Si tu vois une autre propriété qui t'intéresse, dis-le moi. Tu n'as qu'à t'approcher du panneau qui est juste à côté. Allez, Tom Nook numéro 2. Ah oh, merde. Oh super. Ramasse des ressources, ressources dont tu as besoin sur le stand d'Algo, reçoit des pièces et étoiles en échange. Merci pour tout, Gontran. Avoir trouvé ma canne à pêche, m'avoir aidé à réparer le stand, tu es un vrai ami. Pas du tout. Voilà, ouais, bon, j'y pense pas grand chose. On va le dire. Oh, super. Yes. J'ai plus beaucoup de place dans mes poches en fait. Tu pourrais même un investisseur et m'aider à l'améliorer. Alors je pourrais vendre encore plus de sortes de graines. Salut. Comment ça va? Ah bah ça va. Bon, hop, voilà. Tiens, c'est cadeau. Il y a une vie, vraiment, si je m'en souviens bien. Il dit qu'il faut être plus malin que les... Que les idiots. Non, je crois pas que ce soit ça. Écoute, Dingo, ta vie m'intéresse pas. Et ton chapeau, il pue. Donc... Si tu penses que je vais être ton ami, mon garçon. C'est mort. Par contre, des super lunettes, quand même. Ça. Waouh. Quel bonheur pour Gontran. Quel bonheur. Quel bonheur. Attends, je peux vendre des trucs, du coup. Comment ça va? Non. À plus. Ah, je peux vendre, oui. Ok. Salut. Vendre, mon ami. Oh, enfin. J'ai 50 carottes qui me servent à rien. Oh la vache. Oh. Mais c'est merveilleux. Tiens, le charbon. Ça, tu peux en vrai. C'est cadeau. Tiens. Le basilic, on va le garder, on sait jamais. Les pierres, j'en ai plein. Donc tiens, c'est cadeau mon ami. Oh oui. Oh. Mes poches se libèrent. Paf. Mais je ne m'arrête plus. Magnifique. On va aller voir Picsou pour qu'on améliore enfin notre maison. Parce que sinon, ça va être la merde. Ouais. Un peu dans la sauce. On pourra rien faire du tout. Il est reparti. Ouais, Dingo, tu me mets mal à l'aise. Quand j'ai récupéré ça, hop. On va aller voir le charlatan. Enfin, le deuxième charlatan. C'est cadeau. Par contre, les murs... Mais investissement de malade, hein. Quoi faire avec toi, je vais te laisser dans les ténèbres. Hop, va-t'en, vilaine bête. La canne à pêche, est-ce que je peux là? Attends, tiens, ah, je peux pas, merde, je me croyais si puissant. Mais qu'est-ce que tu fais là, Merlin? Je t'ai dit de t'en aller. Yes. Quelle pêche passionnante. Mais j'ai réussi à la rater.
Mais c'est pas possible. Putain, j'arrive pas à me pêcher, quoi. Tu vas vraiment pêcher à une main devant moi, Merlin. Ok, ok. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bonjour. Ah non, pas toi. Ah, faut que j'aille au château des rêves. J'ai assez de Dream Light. Merveilleux. Oh, j'adore les journées ensoleillées. Mais j'adore aussi, Dango, j'adore aussi. Oh putain, oh là là. J'adore les journées ensoleillées. Voilà, c'est pas compliqué. Comment je peux rater à ce moment-là? J'adore les journées ensoleillées. Mais j'ai compris, t'es pas obligé de me le dire 10 fois, mon garçon. Hop là. Yes. Yes. Mais je n'ai plus de place. Oh non, mince. Le basilic qui dégage. Hop. Hop, 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 hop. Picsou, viens là. Bonne journée à toi. Bien joué, Gontran. Maintenant que Dingo a repris son commerce, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Dans ce cas, quand tu voudras investir pour ma grande ouverture, va chercher mon PNO juste à côté du magasin général Picsou. Au revoir. Celui-là, quoi. T'es juste à côté, hein. Bonjour. Dès que j'ouvrirai le magasin, il y aura toutes sortes de meubles et de vêtements achetés. Tu peux me faire confiance ou je ne m'appelle plus Picsou. Bah tiens. Enfin, la grande ouverture. Est-ce que ça prend... Non, c'est bon. Allez. Waouh! Tiens. Salutations, voisin. Au nom d'une cornemuse, les affaires reprennent. Maintenant, il ne manque plus que des clients. Oh, et un bon investissement mérite un bon retour. Ces pièces sont pour toi. Utilise-les pour obtenir tout ce que tu souhaites. Tu vas me donner combien? 10 balles, hein? Ah, saloperie. Entre donc jeter un œil, Condran. Si tu ne trouves rien là où ton goût, viens en discuter avec moi dans mon magasin. Pour utiliser mon système de livraison breveté. Je te remercie. Ah, tiens. Tu veux une pomme, Patrick? C'est cadeau. Nourrir une bestiole, carrément. Oh my god! Waouh! Oh, j'adore les journées ensoleillées. Ah, ça, je le veux, ça. Oh, ça, c'est oui, ça. Oh là là, waouh, waouh. Par contre, il coûte cher tes vêtements, Picsou, là. Allez, hop. Oh, tes vêtements. Non. Picsou, tu ne veux pas qu'on devienne ami? Viens, deviens mon ami. Il faut faire tourner l'économie si on veut gagner de l'argent. Il n'y a pas de meilleur moyen pour y arriver que d'investir dans le magasin. Choisis simplement un article qui te plaît dans la région et parle-moi pour utiliser mon système de livraison breveté. Je te remercie. De rien. Bon. On va peut-être améliorer notre inventaire. Et passer au Merlin. Allez là-bas. Merlin, donne-moi mon chapeau. Je veux mon chapeau, Merlin. Bonjour. Hé, les choses ont toujours l'air un peu plus magiques quand tu es là, Gontran. Oh, Merlin, arrête. Ah là là. Tu as assez de Dreamlight pour repousser les épines nocturnes de l'entrée du château, bravo. Mais il n'y a pas une minute à perdre. File au château et retire ces épines nocturnes. Je te tire mon chapeau, même si je préférerais ne pas le retirer. Merlin, tu te tais, hein. Concentre ta magie sur les épines nocturnes, Gontran. 2000. Oh, c'est cher. Bravo, Gontran, bravo. Nous pouvons enfin rentrer dans le château des rêves. Yes. Vas-y. Ouais, Merlin, easy peasy. Hein. Dis-moi, Merlin, tu veux pas me remercier avec un petit chapeau STP. Oh, 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 salut. La magie de Dreamlight. Le chemin vers le château ouvert. Et je commence à me souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur.
Ou plus précisément, de qui est à l'intérieur. Il faut qu'on se dépêche. Bien, tu peux y aller maintenant. Évidemment. Oh là là. Bonjour. Je me souviens maintenant, Gontran. Ce n'est pas ce qui se trouve dans le château des rêves, mais qui ? Que Edmundark est parti et que l'oubli a pris le contrôle de la vallée, certains d'entre nous sont restés. D'autres ont décidé de retourner dans leur royaume. Chaque partie qui se trouve devant toi mène à un royaume différent, un rêve de leur propre monde. Le château est plein de portes qui mènent vers d'autres royaumes. Je veux explorer de nouveaux mondes. Yes ! Bien, tu vas découvrir ton lot de merveilles derrière ces portes en cherchant les villageois disparus. Mais j'ai peur qu'ils ne se souviennent pas de Dreamlight Valley. Donc c'est à toi de trouver un moyen de les ramener à la maison. Je vois qu'il te reste juste assez de Dreamlight pour déverrouiller la première porte. Tu dois choisir le premier royaume dans lequel tu veux rentrer, putain. Une planète désolée avec un robot timide. Pas vraiment. Ah oui, moi non, évidemment. Ah clairement, hein, Rémi. Fuck Rémi. Hey, les choses ont toujours l'air un peu plus magiques quand tu es là, Gontran. C'est bien. Mais je peux avoir mon chapeau, mec? Je te tire mon chapeau, même si je préférerais ne pas le retirer. Je veux mon chapeau, Merlin. J'ai passé mon temps à te donner plein de plantes. Tout ça pour que tu me... Ouais, tout ça pour que tu me douilles un chapeau. Oh, Merlin. Bon, on va aller voir Vaiana, donc ma foi. Je m'en fiche de ça, Patrick. Dis donc. Ah ouais, mais il y a vraiment un poste de combat. Oh là là. Le poste de combat Disney. J'ai assez en fait. Tac. J'ai 8000. Oh là là, mais je suis riche. Tiens, bam. J'en ai 115. Ok. Bon, est-ce que c'est le meilleur investissement? Je suis pas sûr, mais bon. Pas chouette. Mais je peux pas aller aux deux là. Waouh, un vaisseau, mais quelle chance! Hop, donne-moi tout ça. Miam, délicieux. Et là, j'ai accès aux deux. Ok. Je crame la banque. Bam. Tiens. Incroyable. Hop. Et hop. Bah allez. Pourquoi il y a... Non, c'est pas Harry Potter, ça c'est... Coco. Hop. Et je ne m'arrête plus, c'est pas possible. Ah, la moto, je la veux. Give me the bike, please. Thank you. Hop. Je crois qu'on n'aura pas le Flash McQueen, mais bon. C'est la vie. On ne peut pas tout avoir. Hop. Est-ce qu'on peut l'utiliser la moto? Je pense pas. Ce serait trop beau. Je montre. Oh là 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 là. Ah, c'est pas possible. Je me demande qu'elle grandisse. Oh, mais j'ai un écureuil du coup avec moi. Ouais, c'est... Il est... Ça ne va pas du tout ensemble. Bah c'est pas grave, on va y aller comme ça.
Peut-être améliorer mon inventaire parce que... 20 000! Oh là là, mais quelle bande de charlatans! Charlatans! On va peut-être aller voir un Mickey. Ah, mais pour améliorer ma maison, est-ce qu'il n'y aurait pas un panneau de Picsou? Même pas. Picsou là, tu vois. Oh, des trucs de ouf, hein. Attention, attention les yeux. Hein. J'ai une magnifique moto. C'est vrai que je peux me mettre dehors. C'est vrai ça. Oh là là. Je vais acheter quelque chose à Picsou parce que, à mon avis, après, il me proposera d'améliorer mon magasin. Mais d'abord, Mickey, viens là, Mickey. Hey, salut. Bonjour, Mickey. Petit peu de fleurs. Oh. Eh oui. C'est cadeau. Hop. Encore. Toujours plus. Pop. Tac. Encore. Toujours plus. Je pourrais passer au niveau 7, Mickey, merde. C'est pas possible. Ah là là. Ah, on se revoit vite. Ouais, ouais. Hop, on va prendre le trône. Da. Salut mon ami. Hop. Tu veux discuter? Salut Gontran. Ouais. C'est fantastique. Dis, j'allais me mettre au fond d'eau. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr, hein. Nous avons d'abord revenir aux ingrédients, il faut du basilic et de l'origan. Ils poussent partout sur l'esplanade et la prairie. Occupe-toi d'en trouver, moi je me charge des casseroles et des poêles. C'est chouette. Oh là là. Salutations voisin. Oui. Tiens. Hey. Au revoir. À bientôt. Je vais prendre ça aussi. Bonjour. Parce qu'avant tout, je suis un gamer. Oh, hey. Hop. Et évidemment, je vais prendre ça. Salutations, voisin. It's mine. Yes. Oh, c'est votre compagnie. Bonne journée à toi. 4000. Oh, ça c'est... Salutations, voisin. Au revoir. 500. À bientôt. Content de te voir. Non, pas vraiment. A plus. Et toi, je peux rien te vendre. Mais du coup, est-ce que je l'ai dans mon inventaire ou pas du coup? Parce que là, si je fais hop, meubles, tout. J'ai ça, mais non, je l'ai pas encore. Ah si, je l'ai. Ok. Je vais mettre, je sais pas ce qu'elle foutrait là, mais elle va se foutre ici. Hop, non, oui. La caméra. Elle est plus du cul. Voilà, magnifique. On va commencer à décorer. Tout. Hop, voilà. Oh yes. Alors ça c'est oui ça. Là on parle. Ah mais l'Azerty là. C'est sympa d'avoir autant d'amis ici. Je serais pas jusque là quand même, Nargo. Faudrait pas viser. Hein.
Personne ne t'aime, Dingo. Personne. Oh, je peux même pas monter dedans. Mais il est cool. Oh. Non, pas si près du but. Mais c'est pas possible. C'est juste de la pêche. Y a rien de dur. Et pourtant. Yes. Mais non, bah non. C'est trop. Pyjama du chat. Wow. Un poisson chat. Ouais. C'est sympa d'avoir autant d'amis. Oui, c'est sympa, Dingo. Moi, je vais te vendre ça et je vais changer de jeu, Dingo. Tiens, salut. Parce que c'est pas que je m'ennuie, Dingo, mais... hop, prends tout ça, Dingo. C'est cadeau, Dingo, mais c'est cadeau. Je vais peut-être jeter les pommes aussi. Tiens. C'est chouette. Merci, Dingo. Et meurs. Hop. Et en plus, on a le trône de glace. Quel bonheur. Alors. Attendez, je reviens. Il faut que je prépare le câble. HDMI.